Je me nomme Aïssata Niang. Région de Matam. Déclaration générale d'abandon de l'exclusion et du mariage d'enfants à Alioure. Mercredi 22 décembre 2021. Nous, population de 50 villages des communes des Agnam, Orefondé, Dabia, Ogo, Nabadjissibul, Bokidjawe, Ngidjilon, arrondissement des Agnam et Ogo, département et région de Matam. Prenons l'engagement solennel en ce jour du 22 décembre 2021 en toute connaissance de cause d'abandonner définitivement les pratiques de l'exclusion du mariage d'enfants des filles au sein de nos communautés. À travers la diffusion organisée par les comités de gestion communautaire et les équipes de mobilisation sociale, nous rejoignons ainsi le mouvement historique initié depuis le juillet 1997 à Malikunda, Bambara, région de département de Mbour, qui n'a cessé de rayonner au Sénégal, tout comme dans la sous-région et qui a enregistré aujourd'hui 6959 villages ayant renoncé définitivement aux pratiques de l'excision et du mariage d'enfants. Nous exprimons notre profonde gratitude et toute notre reconnaissance à Tostan et à tous ses partenaires, aux autorités administratives de la région de Matam, aux notabilités coutumières et religieuses, et à vous tous qui êtes mobilisés en ce jour mémorable. Enfin, nous distinguons dans nos remerciements le gouvernement du Sénégal, UNFPI, UNICEF, Orchid Project, FETA Alioure le 22 décembre 2021, les représentants des communautés déclarantes. Merci beaucoup. En ce jour solennel de mercredi 22 décembre 2021 à Alioure, grâce au partenariat que Tostan a eu avec l'UNICEF, l'UNFPI, mais aussi l'appui des années passées par le projet Orchid, le gouvernement du Sénégal, 50 communautés des Agnam, de Worefondé, d'Abia, Ogo,
nabadi siwol bokki jawé ngijilon des arrondissements de Ogo et Agnam du département et de la région de Matam ont décidé de déclarer publiquement leur abandon de l'excision et du mariage des enfants. Comme vous savez, la pratique de l'excision constitue une atteinte à l'intégrité physique et morale des femmes et des filles. Mais, avec la diffusion organisée à travers la sensibilisation, les émissions radio, les rencontres intervillageoises, les ateliers de partage, les réunions de coordination et d'harmonisation, mais aussi les formations sur l'approche des droits humains avec les jeunes, les leaders religieux, les communicateurs traditionnels, mais en plus de l'accompagnement de santé et de la justice, les avancées de foi ont été constatées pour le comportement des pratiques traditionnelles néfastes de l'excision et du mariage. Monsieur le préfet de Agnam, monsieur le... si je reviens dans mon Fouta natal, alors que nous-mêmes, avec Moli Medchine qui a mis en place Tostan, je ne suis pas venu pour vous expliquer parce que j'ai vu que vous avez compris. Quand je vois ces jeunes faire des squats, quand je vois ces jeunes chanter, quand je vois la culture halpulaire porter, de mettre de côté les préjudices qui sont liés à l'excision, qui sont liés au mariage précoce, j'ai dit hier, je blaguais un peu avec mes amis qui sont d'une grande organisation internationale. Je leur disais que je suis venu au Fouta. Mais comme l'avait dit le vieux Serrer, le Fouta aujourd'hui, c'est comme Paris. Parce que les routes sont goudronnées, les chemins sont éclairés, il y a des hôtels et là-dedans, il y a même du Wi-Fi. Ce qui est important, c'est de trouver des populations qui sont éveillées, des populations conscientes. Et moi, justement, monsieur a parlé de ce livre-là. Et je, donc, au-delà de remercier Moli Melching et Tosan, c'est de remercier aussi ceux et celles qui, à travers leur financement, je veux nommer UNICEF et FUNIAP, si on parle français, de toujours financer à travers l'Afrique pour qu'on se débarrasse de ces pratiques néfastes, nuisibles à la santé des fillettes, nuisibles à la santé des femmes qu'elles deviennent, qui peut-être quelquefois les tuer, soit aussitôt, soit au moment de l'accouchement. Donc des pratiques néfastes, vous l'avez dit, vous l'avez redit, vous l'avez expliqué. Le groupe vénérable, représentant le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Messieurs les sous-préfets des arrondissements de Ogo et de Agnam, mesdames, messieurs les maires et les élus, mesdames, messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, monsieur le responsable des programmes de Tostan Sénégal et l'ensemble des partenaires de Tostan, madame Dr Awali Tall, sociologue et consultante, mes chers collègues de l'UNICEF, partenaires du programme conjoint, messieurs les chefs de village et représentants des communautés, mesdames, messieurs les représentants des 50 communautés déclarantes, chères populations de Ali Wouri, assalamu alaikum. Permettez-moi de vous remercier au nom du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et de UNICEF pour cet accueil si chaleureux. Je vous dis Djarama Djerejef. C'est toujours un grand plaisir pour les partenaires du programme conjoint UNICEF-UNFPA de répondre à l'invitation de Tostan et des communautés pour la cérémonie de déclaration d'abandon, de l'excision et des mariages d'enfants. Je suis honorée de partager ces moments privilégiés qui resteront gravés dans la mémoire collective des populations ici présentes. La cérémonie qui nous réunit n'est pas une simple déclaration publique d'abandon et des mariages d'excision et des mariages d'enfants. Elle marque l'engagement de 50 communautés à renoncer à la pratique de l'excision et des mariages d'enfants. Cette cérémonie cadre bel et bien avec l'un des trois résultats transformateurs de l'UNFPA, notamment zéro violence basée sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Nous vous en félicitons vivement. Cependant,
Même avec ces avancées, des défis persistent encore malgré la mobilisation communautaire. Les efforts et les ressources considérables déployées, les mariages d'enfants et l'excision continuent et constituent des violations et une atteinte aux droits des filles et des femmes. À la lecture des résultats de l'EDS 2019, on constate une augmentation du taux de prévalence de l'excision. La prévalence de l'excision chez les filles de 15 à 49 ans est passée de 24% en 2017 à 23% en 2018 pour atteindre 25,2% en 2019. Chez les filles de 0 à 14 ans, la prévalence de l'excision est de 16% en 2019 contre 14% en 2018. Ces données cachent des disparités régionales. Dans les régions de l'axe sud, le taux est passé de 43% en 2018 à 46,3% en 2019. Dans celle de l'axe nord, où nous sommes présentement, la prévalence est de 29,8% en 2018 contre 35,7% en 2019. Nous devons donc absolument inverser la tendance haussière pour accélérer les progrès vers l'abandon de l'excision de manière significative, voire son éradication totale. Car malgré l'existence de la loi interdisant l'excision, la pratique perdure silencieusement au berceau. En effet, certains considèrent toujours à tort l'excision comme une exigence religieuse ou une forme d'atteinte sociale. Avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, certaines filles ont été encore plus exposées à la pratique de l'excision qui continue à se passer dans le secret des familles. C'est le lieu de lancer, au nom du programme conjoint UNICEF-UNFPA, un appel solennel pour une grande implication pour l'abandon de la pratique des religieux dans le cadre des prêches. Un engagement accru des médias avec plus de programmes sur le sujet dans les télévisions et les radios communautaires sur ces pratiques. Un renforcement du plaidoyer pour l'abandon de l'excision et une intégration dans les programmes sectoriels de la santé, de la justice, de la femme, de l'éducation, de la jeunesse, des écoles de formation, des sages-femmes. Également l'allocation de ressources humaines et financières conséquentes aux services publics en charge de l'adoption des pratiques protectrices des femmes et des filles contre l'excision et toutes les autres formes de violence. Une coordination renforcée au niveau national, régional et départemental et enfin un renforcement de la dynamique engagée au niveau des élus locaux et du Parlement pour le renforcement de leurs capacités. Monsieur le représentant du système des Nations Unies, Monsieur le maire de la commune de Nguidjilogne, représenté par Monsieur Hamidou Dembassal Ndiafouda, Messieurs les chefs de village, Monsieur le coordonnateur national de Tostan, Madame Awandiaye de l'UNICEF, Monsieur Harouna Dia, représentant des communautés, mon ami Abdourahmane Soumaré, représentant des jeunes de la commune de Nabadji Siwol, et Madame Awali Tal, docteur Awali Tal, vraiment, qui a fait un discours élogieux, une femme de référence. Je voudrais commencer en saluant, au nom du gouverneur de la région de Matam Empêché, au nom du préfet du département de Matam, l'engagement sans faille de l'ONG Tostan dans le cadre de l'accélération de l'abandon de l'excision et le mariage d'enfants. En effet, il est établi, selon le rapport des enquêtes démographiques et de santé EDF, que la proportion des filles âgées de moins de 15 ans est la plus importante, avec des taux qui varient entre les régions et Matam Caracol avec 58%. Ce pourcentage effarant témoigne l'ampleur du phénomène et explique combien cette pratique constitue un obstacle pour la santé de la jeune fille et une atteinte à ses droits.
Cette situation est inacceptable. Au nom du gouvernement du Sénégal, nous magnifions l'action de Tostan qui mène un travail important de sensibilisation et de prévention dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. La pratique de l'excision est interdite sous toutes ses formes au Sénégal. Cette interdiction a été instaurée à travers la loi numéro 9905 du 29 janvier 1999, votée par l'Assemblée nationale. Nous rappelons qu'aucune tradition, quelle qu'elle soit, ne peut justifier que l'on mutile, que l'on torture des enfants et des femmes. Il n'y a rien qui le justifie. C'est ainsi que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a été secrétaire général du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, affirmait, je le cite, « Il n'existe aucun motif lié au développement, à la religion ou à la santé qui puisse justifier de mutiler une fille ou une femme. » C'est pourquoi le gouvernement soutient et encourage tous les acteurs sociaux pour enterrer. Ici, nous avons vu vraiment le groupe théâtral ADO brûler, nous disons plutôt enterrer les outils de mutilation et de planter un arbre par-dessus afin que jamais, jamais personne ne puisse les déterrer. Thank you.